La République du Congo dispose de plus de 5000 km de voies navigables. Malheureusement, certaines ne sont pas entretenues par le service commun d'entretien de voies navigables, groupement d'intérêt économique. Celles dites voies navigables secondaires dont l'entretien revient à l'État congolais sont pratiquement abandonnées à elles-mêmes, rendant ainsi difficile la navigation mer par pirogue pour des activités de pêche ou d'agriculture. C'est le cas du canal de Konda, véritable trait d'union entre la rivière Alima et le fleuve Congo dans le district de Mosaka, qui est en train de se rétrécir au vu et au su des autorités de la République. De multiples appels de désengorgement lancés par des usagers demeurent lettre morte. Le canal est tellement rétréci, il n'y a pas d'entretien dans le canal. Lorsque nous croisons une pirogue, nous sommes contraints de garer et pour faire passer la pirogue ou le convoi de commerçants. C'est ce que nous rencontrons comme difficulté. Aujourd'hui, grâce au plan d'intervention du PEDAC, projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, qui prévoit en plus de la réhabilitation des pistes agricoles terrestres, l'entretien des voies navigables des départements de la Ikuala et de la Cuvette. Dans notre plan d'intervention de 2021, nous avons près de 300 km à ouvrir dans les zones d'eau. Par exemple, nous allons entretenir la Mutaba et l'Ibenga dans le département de la Ikuala. Et nous allons entretenir l'Andeko, le canal de Konda, le canal Ipo et d'autres petits canaux autour de l'Andeko, donc vers Mosaka aussi, donc cette année 2021. Donc il y a bien les voies d'eau, donc qui sont aussi nos pistes agricoles, qui sont concernées par le PEDAC. Bien que le PEDAC, dans sa composante amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires, intègre la réhabilitation des pistes agricoles terrestres ou fluviales, l'entretien régulier des voies navigables nationales au Congo passe impérativement par la mise en place d'une société nationale chargée de l'entretien des voies d'eau secondaires, c'est-à-dire celles non prises en compte par le service commun d'entretien des voies navigables, groupement d'intérêt économique.